Salut! Re-bienvenue sur ma chaîne! Alors, j'entre directement dans le sujet aujourd'hui. J'ai reçu la visite du facteur hier. Alors, j'ai reçu mes lip kits que j'ai commandés. Hier, il faisait super chaud, alors je ne voulais pas m'embarquer là-dedans. Je n'étais pas préparée et tout. Et je n'ai pas ouvert du tout les produits. J'ai ouvert la boîte, effectivement, pour regarder à l'intérieur, mais je n'ai testé aucunement les produits. Alors aujourd'hui, je vais ouvrir avec vous les produits. Je vais commencer par faire justement un swatch sur mes lèvres. Et puis, par la suite, je vais vous parler là, de tout ce qu'il y en a au niveau de la livraison, des coûts, combien de temps ça m'a pris, toute l'expérience autour de ma commande. Alors, j'ai le lip kit dans la teinte Malibu. J'ai aussi pris deux gloss, le Like et le Literally. Sans plus tarder, je vais passer immédiatement à l'application. Je vais commencer par les gloss et je vais terminer par celui mat. Alors, le premier, ce sera le Literally. C'est le seul que la packaging est un peu brisée. Ça me dérange pas trop pourvu que l'intérieur soit correct. Vous les avez vus sûrement des dizaines et des dizaines de fois. Alors, mon pinceau est beau. Je sais qu'il y avait certains problèmes avec les pinceaux. Alors, première impression, le gloss, il n'est pas très collant. Il sent super bon. Et puis, personnellement, la teinte, je l'adore vraiment. Alors maintenant, le gloss Like. Voilà, celui-là aussi, le pinceau est correct. Pour le moment, même chose que l'autre gloss, il est opaque, il n'est pas collant, il sent super bon. Celui-ci est un peu plus foncé, c'est toujours dans les teintes de nude, mais je les aime vraiment beaucoup, c'est parfait! Alors passons à la teinte Malibu. Celui-ci c'est un rouge à lèvres liquide. Comme vous le savez sûrement, le crayon et le rouge à lèvres liquide. Je vais appliquer le crayon. Comme j'ai entendu parler, il est vraiment super crémeux. Maintenant, le rouge à lèvres liquide. Il sent vraiment plus les gâteaux que le gloss. Quand il sèche, il est vraiment super beau. Je trouve que c'est une teinte plus froide un peu. Il sèche assez rapidement. Je trouve qu'il est vraiment pas collant. Là, j'ai juste des choses positives à dire. Peut-être qu'avec le temps, ça va être autrement, mais vraiment super impressionnée. Moi, alors ici, vous avez Like. Ici, vous avez Literally. Et vous avez Malibu, ainsi que le crayon. Alors maintenant, je vais passer à la partie que moi, personnellement, je trouve intéressante, que j'ai pas réussi à en trouver beaucoup, les détails au niveau de la livraison, des frais et tout ça. Donc, je vais entrer dans ces détails-là. Si ça vous intéresse pas, tout ce que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations. Je vais aller mettre à jour là, comment je trouve qu'ils se comportent pendant la journée, autant les gloss que le rouge à lèvres liquide. Je vais vous donner mes autres impressions, non pas seulement une première impression comme dans la vidéo. Alors, n'hésitez pas à aller dérouler la barre d'informations pour avoir plus d'informations supplémentaires. Et maintenant, je vais passer à la partie plus informations. Le 22 juillet, j'ai ouvert mes courriels, j'ai vu qu'il avait fait un restock, alors je me suis dit, je vais aller voir, comme par hasard. Et il restait des teintes de disponibles. Donc, j'ai choisi Malibu et les deux gloss aussi. Je voulais le So Cute, quelque chose comme ça, mais il n'en restait plus. J'ai commandé le 22 juillet. J'ai immédiatement reçu un courriel de confirmation pour dire qu'ils avaient bien reçu ma commande. Le 28 juillet, j'ai reçu un courriel avec le numéro de tracking à l'intérieur, le numéro de USPS, parce que c'est la manière qui fonctionne pour le shipping. J'ai vu à un certain moment qu'ils étaient arrivés aux douanes, je crois qu'il est arrivé aux douanes le 1er août. Alors là, j'ai eu une petite frousse, je me disais, bon, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais avoir des frais de douane et tout ça? J'en avais pas beaucoup entendu parler. Mais bref, il est resté là un bon 4 jours. Et le 5 août, à ma porte, vraiment par mon facteur, c'est particulier, je me demandais qu'est-ce qu'il y en était. Je m'attendais à voir un camion de UPS ou quoi que ce soit. Mais non, le paquet est arrivé par Poste Canada, mais vraiment par poste régulière, c'est-à-dire que c'est mon facteur qui est venu cogner à ma porte pour me remettre le colis. Sinon, il l'aurait mis dans ma boîte à mal ou quoi que ce soit. Mais j'étais très surprise. Il est arrivé, j'ai pas eu de frais, j'ai rien eu à débourser, il m'a seulement donné le paquet. J'ai refermé la porte et je me suis garochée dessus. Non pas le facteur, mais sur mon paquet.
Mais bref, c'est ça ma petite expérience de shipping. Je vous dirais que ça s'est passé somme toute rapidement. Pour moi, c'est tout à fait raisonnable comme délai parce que j'avais entendu dire qu'il pouvait avoir des délais beaucoup plus élevés. Et voilà, j'ai pas eu de frais de dédouanage, ce qui est à mon grand plaisir. Si jamais vous en avez commandé et vous avez eu des frais de dédouanage, n'hésitez pas à aller l'inscrire dans la barre des commentaires. Des fois, c'est le fun que les gens voient s'il y a beaucoup de gens qui en ont eu ou pas beaucoup, d'où vous venez et tout ça. C'est super intéressant, je pense. C'est des informations le fun à savoir. Si on parle du prix, les lip kits sont à 29$ US. Les gloss sont à 15$ US chacun. Le shipping pour le Canada est à 14,95 US. Donc le total de ma commande était de 73$ US. Et à ce moment-là, lorsque j'ai commandé avec le taux de change, ça m'est revenu à 99,96 canadiens. Donc 99,96 pour un lip kit et deux gloss. C'est certain que, honnêtement, s'il y en avait eu d'autres teintes, j'en aurais pris plus parce que 15$, c'est le frais de shipping normal, qu'on en ait un ou 10. Vu que c'est un tarif fixe, je vous dirais, lancez-vous et allez prendre le plus de trucs qui vous intéressent. Et en plus, la collection d'anniversaire là, de Kylie est sortie. Je regrettais quasiment d'avoir commandé, mais là, bon... On verra plus tard. Alors voilà, ça fait le tour des informations que j'avais envie de vous partager. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un gros thumbs up. Si jamais vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Il y a plein de nouveaux contenus qui s'en viennent dans les prochaines semaines aussi. Si vous avez des informations supplémentaires que je n'ai pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas à me le demander dans la barre des commentaires. Ça va me faire super plaisir d'y répondre du mieux que je le peux. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!